La route a été refaite, je sais, normalement. Donc là, c'est la première fois que je la reprends. Oh, ils ont épandu, ça pue. On est pas mal, quand même. Hein. Le soir, coupe pas le virage où je t'avoine, moi. Regardez. Les petites vaches, mais à toi la vache qui roule, hein. Voilà, ça c'est fait. Jolie petite route bien sympa là. Oh, des poteaux, yes, 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 yes. Ils vont se faire plaisir, je pense qu'ils vont reprendre la route. Ils vont faire demi-tour, ils vont reprendre la route là ce coup-là. Je sais pas, c'était deux roadsters. Ah les mecs, ils avaient l'air d'être équipés, hein, je sais pas. Je pense qu'ils vont me rattraper parce que moi avec ma petite 125 bah, je suis pas un foudre de guerre non plus hein. Ah ouais, ah, c'est peut-être ça la bagnole radar. Ouais, ça ressemblait ça, mais bon, je pense que c'est plus pour les mecs qui descendent. Donc là, cette route là, elle est bien connue de nos amis gendarmes, voilà. Pour les contrôles de vitesse, donc maintenant, bah, y a une voiture Renard banalisée, payée par une société privée, qui fait toute la journée des allers-retours comme ça, sur la route. Donc on la voit pas. Et bah, si vous êtes en excès de vitesse, bah crac, c'est pour vous. Hein. Voilà. Alors là, je vois absolument rien. Ah, je peux vous dire que le chauffeur poids lourd, il fume. Hein. On est pas mal. Donc elle est hyper dangereuse, cette route, en plus. La route de Mâcon, elle est vachement trompeuse, parce que vous avez plein de virages comme ça. Donc il y a des possibilités de doubler, vous allez les pointiller comme ça. Mais c'est super dangereux, quoi. Moi, je m'amuse pas à doubler avec une 125, j'ai pas assez de chevaux, hein. Je vais mettre tranquillement derrière le camion, voilà. Le camion est censé rouler à 80, voilà, route à 80. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? Rien. Voilà, l'enrobé a été refait, c'est un billard, quoi, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Oh, comme je suis bien. Eh ben, pour une première sortie, ça fait plaisir, hein, purée. Je vais peut-être reprendre Marie, peut-être, finalement. Là, vous voyez, j'ai fait le tour. Je sais pas si vous voyez bien l'image, mais en fait, voilà, j'ai réussi à faire le tour. Je suis passé à Marie, hop. Donc après, c'est soit je reprends la route à droite, soit je m'arrête un petit peu plus loin. On va voir. Je vais peut-être essayer de monter un petit peu au Mont-Saint-Vincent. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de prendre, de faire un petit peu de Mont-Saint-Vincent, là, de remonter un petit peu, voir si on arrive à voir le Mont-Blanc encore un petit coup. Et puis après, je vais rentrer parce qu'il y aura le couvre-feu à 6h, malheureusement. Mais bon, c'est déjà bien. Voilà, pour une première sortie, j'ai vraiment pas eu froid. Voilà, on est quand même pas mal, quoi. On est quand même pas mal. On va signaler quand même l'intention de tourner à droite assez longtemps à l'avance. Histoire qu'ils me voient quand même, les cocos. Ouais. Voilà.
Ouais, il y avait celle-là aussi qui a été toute refaite, là, c'est vrai. Oh, je vais me la refaire. Oh, je sens que je vais me la refaire. C'est les dieux, là, voilà. L'antenne du Mont-Saint-Vincent, vous connaissez bien maintenant. Je suis full... full option, là. Magnifique, magnifique, même si cette antenne défigure complètement le paysage, on a quand même des bons coins, des très très beaux coins dans la région, je crois. On a de très très beaux endroits, moi je dirais. Avec le soleil couchant, là, comme c'est magnifique. On va essayer de s'arrêter un petit coup là, on va prendre une petite toff. Histoire d'être bien. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pas peur de te faire avoigner par les gendarmes toi, hein, putain. Alors, la fraternité, ok, esprit fraternel. Hop là. Normalement, et ben normalement, on ne voit plus. Non, donc là, je peux faire. Hey, salut les potes! Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien de les sortir un peu là. Ouais, oui. Hein. Vous faites gaffe, hein, je suis en train de vous filmer. Hein. C'est bon. Salut. Bébert Bobber, enchanté. Ah, vous avez quoi là? Une petite Z là? Un petit roadster mid-size, on va dire. Ouais. Un roadster 7,5 et puis un 2,800. Ouais, bien là. Ouais. Ah, vous êtes fait plaisir là. Ça va? Ouais. Tranquille hein. Bah, pour les petites routes chez nous, franchement, c'est vite. Ouais. Ah ouais, puis là, avec la route du Mont-Saint là, qui est refaite là. Ouais, je vois que t'as mis les slides là. Bon, ils ont pas encore. ils sont pas encore usés hein. Ah bah nickel, ah, t'es full cuir toi, putain. Ah, ouais, t'as de la thune, hein, ça va. C'est tout neuf. Ouais, ouais, bah ça... Ouais, je vois que Noël a bien fonctionné, là. Allez, nickel. Toi, tu roules en quoi, du coup? Bah, tu vois, moi, je suis en petit sexe pour le moment, tu vois, là. Je suis en... ouais, je suis en 125. D'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est un joli son en plus. Ouais, bah ouais, un petit bicylindre, donc voilà, donc ça fait toujours plaise quoi. Ça fait toujours plaise. Bah c'est ce que tout le monde me dit, donc tu vois, ouais, voilà, pour faire bonhomme un peu, mais bon. Après c'est sûr, je prendrai plus gros, mais bon, pour le moment. Bah ouais, si tu veux, ouais, non, mais c'est à out, hein, c'est. Tu vois, si tu mets pas un pot, franchement, mon gars. Ça fait que dalle. Hein. Ouais, ça tape un petit peu. Mais dès que tu montes. Voilà. Au ralenti, t'as le bruit du bi. Mais dès que. C'est là où j'entends plus. Ça win. Ouais, sinon j'avais mis un pot, mais le pot, je l'ai enlevé parce que là, j'allais me faire. Ouais, j'allais me faire détruire. Elle faisait trop de bruit, quoi. Bon, puis vous alors, purée là, c'est quoi? Elles sont belles là, elles sont toutes propres là. On a eu le temps de les astiquer, hein. Ah ouais, ouais, franchement, bien. Bien, bien, bien. Ouais, Z800, ouais, j'ai un pote youtubeur qu'on a une là, qui fait de la photo sur Insta là.
Super. Ouais. Ouais, ouais. Il fait beaucoup de photos sur avec sa Z là. Ouais. Super. Hein. Et puis toi c'est une. Ouais, GSR. Ouais, GSR, et ben ouais, j'ai un pote aussi sur YouTube qui a ça. Steinbiker, ouais. Tu vois. Bon bah si vous voyez ça en vidéo les amis, hein, voilà, deux poteaux qui sont en balade, tu vois, comme moi. Donc pour toi, Dead Brain, tu vois, tu as un Z800, tu vois, puis pour mon copain Stein, c'est la même que toi. Bon, t'as pas mis Steinbiker, mais bon. Voilà. Donc voilà, comme quoi, c'est ça le plaisir motard, c'est le partage, c'est la rencontre avec des gens, c'est le plaisir d'échanger, c'est ce que je disais dans mes vidéos. C'est le but du motovlog, c'est le but d'échanger, voilà, de comparer ses machines, tiens elle fait quoi la tienne. Ouais, c'est sympa que tu tombes sur des gens comme ça, c'est vraiment cool. Voilà. Bah voilà, moi je commence juste le motovlog, j'ai créé ma chaîne il y a à peu près 3 mois. Donc si vous voulez aller voir ma chaîne, voilà, vous me trouverez sur YouTube. Et puis je suis allé, voilà, dans les coins. Pour le moment, je débute, hein, donc je fais des motovlogs, des trucs comme ça. Je discute avec des gens, je fais des tutos, des trucs comme ça. Et puis voilà. Donc, et puis je fais des rencontres sympas, voilà, avec... Hein ? T'es d'où à la base ? Là, je suis de Gourdon, moi. D'accord. Donc je suis juste en bas, là. Ok. Ouais, nous montons le bourg, bon regard. Ouais, dans le bas, là. Vers l'inter, ouais. D'accord. Et vous, c'est quoi vos petits prénoms ? Valentin. Valentin et Pierre. Pierre. Valentin et Pierre. Donc voilà, bah, j'ai rencontré Valentin et Pierre sur la route du Mont-Saint-Vincent. Voilà, avec. Voilà, c'est ce que je disais. Donc avec la fin de soirée, on arrive à voir le Mont Blanc. Magnifique. Voilà. Donc une belle petite rencontre de fin de journée. Comme quoi. La moto, je suis désolé, c'est fédérateur, les mecs. Voilà, ça, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui fait qu'on est tous solidaires. Et quand on voit un copain qui est dans la merde, et ben on s'arrête tout simplement. Et puis le V, il est bien là pour nous le rappeler. Qu'on soit en 125, ou qu'on soit en 600, ou en 700, ou en 1000, on est tous sur le même bateau. Voilà. Eh ben merci les mecs, super sympa. Voilà, super belle petite machine, super équipement, je vois aussi. Les petites bottes qui vont bien. Nickel, super. Franchement super. Bah est-ce que vous êtes d'accord que je vous mette sur YouTube ? Y a pas de souci. Qu'on voie vos visages et tout ? Pas de souci ? Ok. Bon. Bah vous irez voir Bébert Bobber et puis je ferai le montage. Et puis voilà, bah, vous inscrivez, vous faites ce que vous voulez, vous viendrez voir, et puis voilà, tranquillou. Et bah ça marche. Bonne fin de balade. Allez, tchuss, à la prochaine. Et ben super. Eh ouais, en plus je me suis dit tiens les mecs je les vois, ils ont fait le... ils sont allés faire le tour sur la route de Mâcon et j'ai dit on va se revoir. Donc quoi, on avait bien les mêmes idées. Hein. Donc tu vois là pour toi Stein, tu vois, GSR, et pour toi Deadbrain, bah tu vois, Z800. Voilà. Donc elle brille de mille feux, c'est la première sortie pour tout le monde, je crois. Comme quoi ça fait plaisir hein, d'en faire un petit tour comme ça. Voilà, on profite. Voilà, ça fait plaisir. Alors je sais pas si ça sera en vidéo ma foi. Là aussi un beau petit point de vue là. Ouais. Regardez si c'est pas magnifique là. Voyez, tranquillou, voilà un petit vue, petit point de vue, voilà. Joli petit point de vue sur mon saut là. Donc voilà, on a rencontré des poteaux, c'est bien, c'est le principal.
plaisir de la moto, c'est l'échange, c'est le partage. Voilà. Bah, c'est sûr, j'irai pas faire une balade avec eux parce que bon, je suis montré trop petit. Mais, qui sait, peut-être un jour on verra. Qui vivra verra, on verra bien. En attendant, je me suis vidé la tête. C'est le principal. C'est le même en catoche, c'est le même, c'est deux fois le même. Et délicatement la casse-bas. Bon les armées, les amis, pas les armées, parce que bon j'ai la voix qui rien avec les vibrations. Je vais vous faire un gros V à tous, merci pour la balade, gros V à tous, à bientôt sur la chaîne. Voilà, première balade du printemps, ça fait plaisir. Gros V à tous. Ride safe les amis, n'oubliez pas, soyez prudents sur la route, on n'a qu'une vie, on n'en a qu'une. À bientôt, viens à tous, je vous embrasse fort et à la prochaine. Tchou. Je dois se dire qu'est-ce qu'il fait là, il parle tout seul dans son casque, j'ai essayé de l'éteindre en roulant.